Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte de jeux indépendants sur la Nintendo Switch. Aujourd'hui, nous allons essayer le Blossom Tales Sleeping King. Deux raisons. C'est que le jour où je tourne cette vidéo, eh bien, le jeu est en promo. Voilà, déjà, première raison, je crois qu'il est à 5€. Deuxième raison, c'est que ça a l'air d'être une sorte de Zelda-like, on va dire. Et qu'il y a une démo. Donc, on va pouvoir tester la démo. Alors, grand-père. Ouais, une histoire. Qu'est-ce que je vous ai raconté, l'histoire du brave petit elfe qui habitait dans le royaume magique de H. Oui, un million de fois. Une histoire qu'on n'a pas encore entendue, grand-père. Je connais l'histoire parfaite. Je vais vous raconter l'histoire du grand royaume de Blossom. Ah, youpi! Dans ce charmant royaume habitait une jeune fille du nom de Lily. Lily menait une vie tranquille aux côtés de sa grand-mère, tout du moins jusqu'au jour où ce qu'elle attendait se produisit enfin. Cette histoire commence lors d'une journée très spéciale pour notre héroïne. Est-ce que c'était son anniversaire, grand-père? Non, ce jour-là était bien plus important encore que son anniversaire. Certains jours n'arrivent qu'une fois dans toute une vie. Oh, ça alors? Elle est encore au lit? Ah ouais, c'est très... Allez, on se lève debout. Bonjour Lily. Ah, on est sur de la Game Boy ou de la 8-8. Hein. Oh non, j'ai dormi trop tard. Tu avais tellement hâte d'être à aujourd'hui que tu n'as pas pu t'endormir, c'est ça? Bien sûr que non. J'ai attendu ce jour toute ma vie. N'oublie pas. Si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir me voir. Tu ferais bien d'y aller avant qu'elle ne commence sans toi. Je t'aime, grand-mère. Waouh, ah ouais, c'est... Là, on est sur du pixel-pixel. C'est-à-dire que... Ah ouais, les fleurs sont en 4 pixels. Ah ouais, là, c'est... Ah oui, c'est un gros carré. C'est un gros carré chaud. Ok. Et comment je sors? Ok. Bonjour, j'aime admirer les nuages soyeux qui passent, bien sûr. Donc la carte. Et moi je suis où? Ah, on y est presque en fait. D'accord. C'est par ici la carte. Par ici. Le gros carré jaune c'est ici. Les rumeurs racontent que de nombreux coffres ou trésors sont cachés dans tout le royaume. Qui trouve garde? D'accord. Pourquoi les fleurs elles bougent? Ok. Il y a un magasin. Lui il court. Chevalier de la Rose, sais-tu que tous les rois des fins sont enterrés sous ce même château? Ça affiche la trouille en bas. Moi je vais monter. Tu ne devrais pas être à l'intérieur du château à faire des trucs de chevalier. Ah d'accord. Donc il faut que je trouve le château. Le voilà. Donc je... D'accord. Donc il y a des paires de téléportation comme dans Zelda. Lily. Est-ce qu'elle allait devenir la nouvelle reine ou un truc comme ça? Oh, pas exactement. Roi Orchide, et enfin toi aussi je te nomme Dame Lily. C'est quoi une dame, grand-père? Elle devrait s'appeler Messire Lily. Si tu le dis. Je veux dire Messire Lily. D'accord. Debout Lily, tu es désormais un chevalier de la rose. Ah ouais. Chevalier de la Rose, cool. Sachez qu'un jour, la sûreté de ce royaume repose entre vos mains, jeune guerrier. Le mage Crocus va maintenant bénir les chevaliers. Ouais, il est balèze. Certainement, mon frère, en ronchonne, que la rose soit avec vous, chevalier. Écoutez-moi bien, recrue. Les donjons sont remplis de rats et doivent être purgés. Les volontaires? Bah moi. Lily, superbe. L'entrée du donjon se trouve dans le couloir à gauche de la bibliothèque.
N'oublie pas de consulter ta carte si tu te perds. Ok. Alors, ma carte. À gauche. Il a dit à gauche. C'est quoi qu'il y a ici? Ah, c'est des... Oui, c'est des portes. Alors, les petits points jaunes. Oh, ça, c'est la bibliothèque. Donc, il a dit à gauche. Donc, ça peut être qu'ici. Ah, ok, c'est parti. Ouais, ok. On est sur du pur Zelda. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est que... Il nous remet tout le temps... Ok. Oh! C'est quoi cette inertie, là? J'ai fait quoi? Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, j'ai ouvert la porte. Ok. Ok. Ça, c'est chiant. Il... Ok, on va réessayer, du coup. Oh, il y a une inertie de ouf, là. Elle a tendance à glisser. C'est quoi? Une potion de santé. D'accord. Donc faut ouvrir le sac par contre. Donc je suppose qu'il faut que je dégomme tous les... Non mais t'es sérieux, tu me dis ça au moment où je suis en attaque? Ne me dis pas ça au moment où je suis en train d'attaquer quoi. Ça m'a bloqué quoi. Bien une qui cache un truc. Voilà, c'est bien sûr la dernière. Comme d'habitude. Alors on est vraiment sur... Il n'y a pas d'autre vie que ce qu'on a dans l'inventaire. Hein. Comment je la prends? Ah ok, je l'affecte à B, ok. Ah, je peux casser ça aussi. Ah, je défonce les mecs. Ils ont rien demandé les pauvres. Il y a une espèce d'inertie qui fait que... What? Où il y a la thune? Attends. Il y a plein de trucs dans ces trucs-là, mais j'ai pas de clés. Faut que je trouve des clés. Oula, attends. Je l'ai vu trop. Alors, Lily pouvait bondir sur les bas-reliefs en se plaçant au bord. Ok. D'accord. Attends, je vais essayer de remonter. Moi, il m'a dit de défoncer. Ah, ça revient. D'accord. Il m'a dit de défoncer tous les rats. Je défonce tous les rats. C'est ma mission. Là, je vous explique pas, on a vu au départ qu'il y avait un couloir avec énormément de portes et on a fait qu'une porte là. Alors, pour effectuer l'attaque circulaire, devait maintenir son épée devant elle et relâcher après avoir accumulé assez. Ouais, bah, c'est comme dans Zelda quoi, on maintient le A. Okay.
Alors, l'île se faisait autant qu'un véritable torrent de flèches abattait sur un chemin délabré. Son bouclier devrait pouvoir la protéger des vilaines flèches. Son bouclier X. Ok. Ok, vu. Ok, je suis passé à travers. Ok. J'ai pas bougé là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait B. Ok, bon, on est passé. Hein. Pour l'instant, on avance. C'est vraiment du Zelda. Pour tous ceux qui sont en manque de Zelda, je peux pas pousser ce truc. Que c'est que ça? Je peux rien faire là? Ok. Il y a plein de tombes. Ok, mais ok. D'accord, mais ça. Ok, bon, c'est passé. Ah. Ah oui, les pierres. D'accord. Le roi des rats. Le roi des rats, c'est un youtubeur qui s'appelle comme ça, le roi des rats. Ok, on a un petit boss. Ok. What? Ah mais c'est un trou ça. Qu'est-ce que je fais moi? Ok, ça commence plutôt mal. Ouais. Comment je peux la... Oh, t'es sérieux? Mais... Ah, on a plus de vie. Ok, on a eu du bol. On a eu beaucoup de bol. Un gros coffre. Pas mal. On va d'abord aller voir ce qu'il y a dans les petites cruches. On a gagné un cœur aussi. Donc c'est vraiment un Zelda. C'est vraiment du Zelda. Ah, on a appris les bons. C'est pareil que Zelda. C'est une pure copie. Voilà. Bah pour tous ceux qui veulent se faire un petit Zelda inédit, vous changez le nom et puis c'est du Zelda. Bah ça coûte. Je crois que ça coûte moins de 5€ en ce moment. Enfin c'est en promo, il y a des promos et tout, donc n'hésitez pas. Si vous voulez tester, bah, vous avez la démo sur le e-shop. Alors en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, bah, lâchez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bah on est bloqué. Ah, B, peut-être B. Ah, regardez. Regardez les murs. Oh là là, c'est comme dans Zelda. Il est fendu le mur. Et voilà, donc c'est vraiment du Zelda. Allez, lâchez-moi le gros pouce bleu, on se retrouve bientôt pour des nouvelles découvertes indépendantes. Voilà, il y a des petits jeux comme ça, très sympas. Franchement, ça, c'est nickel ça pour 5 balles. Salut tout le monde.